Donc, que s'est-il passé et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Question compliquée puisque il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. Enfin, au vu de notre résultat, voilà, notre niveau, il n'a pas été très bon. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'explications pour ça. Si on veut rentrer dans les détails, je pense que déjà ça vient de notre préparation, où on a manqué de productivité et au final on a manqué d'efficacité pendant le tournoi. Un des gros points aussi, ça a été les débuts de side. Un des gros points, c'était aussi les débuts de side, donc avec les gunruns. Je pense que si on a mis 3 gunruns sur toute la LAN, c'est beaucoup. Sur plus ou moins 15 matchs. Mais dans les gros matchs contre par exemple MTW ou Fully Torqued, ça s'est ressenti quoi, au niveau des scores. Même si les scores restent plus ou moins serrés, c'est 6 runes en moins et c'est surtout beaucoup d'argent en moins pour la suite du side. Beaucoup de fois retombé en écho. Ensuite, il y a. Toujours dans le cycle d'écho, il y a eu aussi les premiers rounds armés où souvent on commençait par un 0-5. C'est toujours difficile de revenir dans une partie quand on est mené 0-5. Comme autre gros point, par exemple contre MTW, le fait qu'on n'ait pas totalement changé notre jeu, ils ont eu la possibilité de nous anti-strat puisque MTW ne. Enfin, nous on n'a pas eu l'occasion de les anti-strat dans le sens où ils n'avaient aucune compétition pardon, online. Voilà, eux ils ont eu le temps de nous voir en SEVO, en EMS, à la Spirit LAN, voilà, et de voir nos gunruns, nos premiers runes armés. Et par exemple sur Inferno, il y a des runes armés quand on est hero qui nous coûtent cher parce qu'ils nous anti-strat voilà, parfaitement. Ensuite, il y a eu la même chose sur Nuke avec un gunrun. Voilà, des anti-strats, on voit vraiment que c'est pas normal quoi, qui pourrait pas prendre un tel risque contre une autre équipe. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Pendant l'événement, ce serait l'altercation qu'il y a eu avec Dan au début des pools. Je l'ai rapidement gueulé. Je l'ai remis à sa place pendant les poules parce qu'il jouait pas bien ses positions sur Inferno. Voilà, ça lui a enlevé la confiance pour la suite de la LAN. Voilà, c'est dommage et si j'avais su que ça aurait cet effet-là, évidemment, je l'aurais pas fait. Et pendant la préparation, ce serait plutôt les priorités parce qu'on a beaucoup travaillé les runes armées et pour avoir un jeu, un panel de jeux assez volumineux, beaucoup de solutions, etc. Et au final, on en a oublié des priorités. La base, c'est gunrun, premier rune armé et contre-écho. Et ça, c'est vraiment les 5 premiers runes, c'est ce qui te met bien dans un match et c'est ce qui te lance. Et c'est super important, quoi. Surtout en LAN, c'est pas comme sur Internet. Sur Internet, quand on perd 5-0, on se démotive pas pour autant. Alors qu'en LAN, quand les gens crient en face et qu'on voit le score qui défile, c'est évidemment ça a une atteinte sur le mental qui est complètement différente. Donc voilà, les deux choses que j'aurais voulu changer. Le sentiment, je sais pas trop ce que c'était. Ouais, il y avait de la tristesse et énormément de déception. Si pas, ouais, enfin la surprise aussi, c'est. On s'attendait pas à être éliminé aussitôt. Et en plus, vraiment, enfin moi, d'un point de vue personnel, et enfin je pense que pour tout le monde ça a été pareil, c'est que quand on est dans les. Enfin, on savait qu'on risquait d'être éliminé, mais voilà, on voulait y croire. Jusque dans les 2-3 derniers rounds, on veut vraiment y croire, on se dit c'est possible, on va le faire. Moi par exemple, je me souviens encore dans 2 rounds avant la fin, quand ils ont 14 rounds, je dis bon, les mecs, je vous promets que si on met cet écho, on gagne le match. Voilà, pour vous dire à quel point on essaye d'y croire jusqu'à la fin. On était déçus, c'est normal. Ouais, déçus et surpris quoi. Donc
notre choix il s'est vite porté vers Kenny. Alors tout d'abord parce qu'on l'avait déjà testé, que franchement il y avait vraiment des qualités et il apportait vraiment quelque chose dans le jeu. Donc voilà, on savait ce que ça donnait. C'était plus facile de s'appuyer sur une valeur sûre quelque part. Ensuite, il était. Donc il ne possédait pas d'équipe, vu que Istanci venait de se dissoudre. Et la troisième raison, c'est que Nathan avait évoqué son souhait d'arrêter de sniper. Enfin, en tout cas, pas comme le sniper principal, donc le prendre un petit peu quand il voulait. Voilà, pour se pencher un peu plus sur le rifle. Et voilà, donc d'un point de vue. Enfin, pour Nathan, c'est bien. Et Kenny, c'est un très bon sniper. Donc voilà. Et quatrième raison, c'est pour avoir un jeu à 3 snipers avec Nathan, moi et Kenny. Et ça offre pas mal de possibilités, surtout en CT, pour arriver à gratter les premiers kills. C'est plutôt pratique, quoi. Ou alors en terreau, avoir un jeu plus lent. Ça, c'est intéressant, un peu comme les Américains qui font avancer, par exemple, 4 joueurs d'un côté avec un AWP qui attend en coupe de l'autre, ou. Voilà, ou faire avancer un AWAP devant avec deux rifles derrière, et de l'autre côté de la map pareil, avec comme but de faire les premiers kills aussi. Donc ça donne pas mal de solutions dans les rounds. Franchement, les Insomnia, c'est toujours des tournois bien organisés. Il y a toujours énormément d'équipes. Je pense que cette LAN-ci, il y en a 50. Les dernières, il devait avoir, je pense, un peu plus, 60, voire 70. Il y a une bonne ambiance. Donc il y a un côté fun où les gens ils viennent là pour s'amuser. Mais il y a aussi un bon niveau en général, vu qu'il y a des équipes euro qui se déplacent grâce au cash prize. Donc voilà, c'est facile d'accès. Voilà, nous on est arrivé, enfin on est venu en avion, 1 heure, on prend le train, encore 1 heure et on y est directement. En plus il y a des navettes et tout ça, les hôtels sont pas trop chers et sont à proximité. Donc vraiment beaucoup de qualités qui font que d'un niveau européen, il y aura toujours des équipes qui vont se déplacer, quoi. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette interview. Je remercie évidemment aussi Verigames et Razer de nous permettre de venir une fois de plus en Angleterre. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur www.teamverigames.net.